Chers amis, nous commençons exceptionnellement à 14h07 et pas à 10, mais je sème les graines d'habitude encore plus mauvaises en disant ça. Il est vrai que j'étais un peu peiné il y a 15 jours et qu'on a démarré à 14h30 et que nous nous sommes retrouvés à 80. Donc c'est ainsi. Les gens arrivent grâce à nos mauvaises habitudes et grâce au filtrage insensé, en chapelet et pas tous à l'heure en même temps. D'autre part, ce n'est pas une déclaration, c'est un mail que j'ai fait ce matin à quelqu'une qui réclamait, tellement elle est heureuse de savoir que Daniel Tadiro est parmi nous, que ça se passe un autre jour. Donc, j'ai bavardé bien trop longuement pour dire la chose suivante. Ce séminaire, il existe, et il existe d'abord comme séminaire universitaire, placé le samedi après-midi pour que les vrais gens puissent également y assister. Il est archi pluridisciplinaire et nous nous en réjouissons. Il est même militant. On voit des gens de sciences politiques, d'histoire, d'économie et de philosophie aussi qui y viennent. Enfin, c'est inscrit dans le cadre d'un master deuxième année de l'UFR de philosophie. Le 9 octobre, on avait, je vous le dis franchement, réservé la date pour quelqu'un de très bien, qui ne savait pas très bien et qui, 15 jours avant, a dit que finalement, il trouvait que c'était un peu compliqué de venir. On a commencé le 16 officiellement, comme vous savez, et Bernard Guérien m'a expliqué qu'il y avait social, je crois, autour des retraites ou quelque chose comme ça, et qu'il aurait préféré manifester plutôt que de parler dans un séminaire intitulé Marx au XXIe siècle à la même heure, adopté à l'unanimité. Nous avons eu ensuite le 23 quelqu'un qui, dans ce monde cruel, a été coincé au Liban pour des affaires de police et de paperasse, qui s'est désisté au dernier moment. Bernard Guérien a accepté de déplacer du 16, non pas n'importe quel jour, mais au 23, au samedi suivant, in extremis. Ça s'est fait. Madame Merigi, la semaine dernière, dans ce désordre surréaliste, la Sorbonne fermée par-ci, par-là, ou en tout cas coincée en permanence et désertifiée, et vous le guérissez. Le centre Tolbiac hier a été fermé le vendredi dernier pour 2 jours et demi, juste au moment où allait commencer une assemblée d'étudiants donnant la parole à des grévistes de je ne sais où. Donc une collègue qui venait pour rattraper un cours, car nous sommes censés expier les jours de grève par conscience professionnelle, on ne nous l'impose pas, mais avec des semestres de 2 mois et demi, on se sent parfois tenu de remplacer les cours qui n'ont pas eu lieu. Donc une collègue se plaint par voie de mail du fait qu'elle venait pour rattraper un cours, qu'on lui a dit quick, porte fermée, et qu'elle va donc essayer d'organiser le rattrapage de son rattrapage, avec négociation pour trouver des salles à l'infini, évidemment. Alors, ce discours un peu morose et tristonné, pour vous dire, bon, on travaille en temps de crise, dans une période surréaliste, surtout à la Sorbonne, je me permets de ne pas annuler tous les séminaires, chaque fois qu'il y a une manifestation, ô combien légitime, en faveur des masques réprimés et torturés dans les commissariats espagnols, ou même dans le cadre de ce mouvement qui fait l'honneur de la France, et oui, puisque la semaine dernière, à l'étranger, pas loin, j'entendais encore des gens rêver d'être grec ou français, ou à la rigueur portugais ou espagnol, mais le seul pays où il y a déjà une résistance quand même très nette à toutes ces mesures néolibérales. Résultat des courses, le séminaire est maintenu. Et puis, on n'est pas une contradiction près, certains de mes meilleurs amis, organisateurs, co-organisateurs, etc., m'ont dit qu'on préfère être à la manifestation. Et puis même notre grand cinéaste attitré m'a dit qu'elle aurait bien aimé être là-bas. Bref, on fait ce qu'on peut comme on peut. Daniel Tadiro nous a fait l'amitié de réserver ce samedi depuis longtemps, et il est parmi nous. Je parle enfin de choses sérieuses, c'est-à-dire de lui. Comme vous le savez, il va nous parler l'impossible capitalisme vert. Je ne lui infligerai pas, car il rougirait la lecture d'un compte-rendu haut en couleur et en couleur chatoyante et laudative qu'on peut trouver un petit peu partout sur Internet, intitulé « En rouge et en vert ». On est
explique que son livre fourmille d'idées qui prennent à revers le système capitaliste comme la doctrine du développement durable. On explique qu'il explique lui-même dans son livre que dès le 19e siècle, bien évidemment, certains recours à certaines énergies ont été abandonnés parce que l'essentiel dans ce système, c'est bien évidemment la rentabilité immédiate. Moi, pour avoir, cher ami et invité, non seulement regardé le compte-rendu de très près, mais parcouru votre livre, je n'ai pas lu entièrement, je n'ai pas eu le temps, hélas, j'ai vu quelque chose comme le ton du classique sur l'Amérique latine qui s'appelle Galéano, les veines ouvertes de l'Amérique latine, sublime livre à avoir lu une fois dans sa vie. Autrement dit, un foisonnement d'idées, d'érudition et en même temps un fond qui est tout simplement, je crois, la pensée marxiste. Pensée marxiste qui permet à Daniel Dadureau, il va le dire beaucoup mieux que moi, de remettre à leur place d'une certaine façon, tout en respectant leur point de vue, les fameux décroissants, et, c'est-à-dire de leur dire qu'ils sont tout de même sur le terrain de la consommation en réclamant une baisse de la consommation, et l'essentiel c'est encore la surproduction anarchique, c'est encore la reproduction. Pardon pour ce mauvais résumé, c'est une manière émue, partant de catastrophe, et vous allez voir, partant de catastrophe, où malgré tout on arrive à faire déplacer pas mal d'auditeurs pour vous, c'est une manière donc, de vous dire avec émotion et bafouillage, un immense merci pour votre venue de moi et vous donner enfin la parole. Merci, cher Daniel. Merci à vous pour l'invitation, Jean Salem et les organisateurs en général. Je suis moi ému de parler en ce lieu illustre et célèbre pour le rôle qu'il a pu jouer dans l'histoire, peut-être malgré lui. Et je suis en fait très heureux de constater que quoi qu'il y ait beaucoup de personnes intéressées en France par le lien entre écologie et socialisme, je suis en fait très heureux qu'il n'y ait pas plus de monde dans l'auditoire. Ça veut dire que les éco-marxistes ou les éco-socialistes français donnent la priorité à la lutte de classe et c'est entièrement légitime parce que c'est uniquement de la lutte de classe que peut surgir une solution non seulement à la crise sociale mais à la crise écologique qui n'est en fait qu'une manifestation de la crise sociale du système capitaliste. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte ici d'expliquer pourquoi pourquoi le capitalisme vert est impossible. Juste deux mots là-dessus. Il est indiscutable qu'il y a une forme de capitalisme vert. Il suffit d'ouvrir la télévision pour s'en rendre compte. On produit des éoliennes, on produit des panneaux photovoltaïques, on produit de la nourriture bio, etc., etc. Il y a un secteur vert de l'économie capitaliste qui est un secteur rentable et qui, parce qu'il est rentable, attire les capitaux en quête de valorisation, c'est évident. Le problème n'est pas celui-là, le problème n'est pas de savoir si un secteur vert du capital existe ou pas, le problème est de savoir si le capital en tant que tel, c'est-à-dire les capitaux nombreux et concurrents, pour reprendre l'expression de Marx, qui constitue le capitalisme, peut être compatible avec la gestion prudente et rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature. Et à cette question-là, la réponse est relativement simple. La réponse est non, pour une raison fondamentale, qui est que le capitalisme implique forcément l'accumulation du capital, que tout propriétaire de capitaux n'a qu'une idée en tête, qui est de remplacer du travail vivant par du travail mort, c'est-à-dire des travailleurs par des machines, parce que les machines sont plus productives, parce que les machines, en étant plus productives, permettent d'abaisser les coûts, que dès lors, ce qu'on peut appeler le productivisme fait partie du code génétique du système capitaliste, et que dans cette logique, la pression sur les ressources naturelles ne peut qu'augmenter. La seule possibilité pour qu'elle n'augmente pas serait que l'efficience accrue de l'exploitation des ressources, non seulement des ressources naturelles au sens strict, mais aussi de la force de travail humaine, qui n'est qu'une ressource naturelle parmi d'autres, la seule possibilité pour que la pression sur les ressources n'augmente pas
serait que l'efficience accrue dans l'utilisation des ressources ne soit pas compensée par l'augmentation de la masse de marchandises produites. Et là, empiriquement, on constate que ce n'est pas le cas. Si vous prenez le cas de l'automobile, le secteur de l'automobile et des transports, la démonstration est très facilement faite. L'efficience énergétique du moteur à explosion ne fait qu'augmenter. On produit aujourd'hui des voitures qui consomment peu et qui produisent moins de 100 grammes de CO2 au kilomètre parcouru. Néanmoins, les émissions de CO2 dues au secteur du transport ne font qu'exploser. C'est même un des problèmes les plus aigus auxquels est confrontée la politique climatique des gouvernements capitalistes. Et l'explication est évidente. L'explication est qu'en dépit de l'efficience accrue des moteurs à explosion, la masse de voitures, la masse de camions produites fait plus que compenser l'augmentation de l'efficacité énergétique. Il n'y a donc pas de capitalisme vert possible, il n'y a pas plus de capitalisme vert possible qu'il n'y a de capitalisme social possible, ce sont des oxymores. Et la question qui se pose est voir comment la crise, la dite crise écologique, fait en fait partie de la crise globale du système capitaliste et nécessite une alternative de société radicale. Et ça pose directement la question à laquelle je vais consacrer l'essentiel de l'introduction dans ce séminaire, qui est la question du positionnement des marxistes face à la crise écologique. Je crois que c'est le problème qui est le plus important, le plus intéressant à discuter dans le cadre de vos travaux. Je crois que le point de départ doit être un point de départ délibérément autocritique, à savoir que il me semble difficilement contestable que les marxistes en général, à quelques très très rares exceptions près, et qui sont des exceptions individuelles, les marxistes en général ont raté le rendez-vous avec la question écologique à partir du moment où elle a surgi comme question de société à une échelle de masse dans le courant des années 60, après la publication du fameux livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux aux États-Unis. Les marxistes en général ont raté le rendez-vous, alors que la crise écologique, à l'évidence, est un produit non pas de l'existence de l'espèce humaine sur Terre, comme l'insinue ou l'implique l'expression, par exemple, du changement climatique anthropique, mais alors que cette crise écologique est absolument sans contestation possible un produit du mode de production capitaliste, et en particulier, pour ce qui concerne l'augmentation de l'effet de serre, un produit de l'utilisation massive, depuis deux siècles maintenant, des combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel. Alors, du fait qu'ils ont raté ce rendez-vous avec la question écologique, les marxistes ont laissé le champ libre au courant vert, qui décliné dans ses différentes modalités, se ramène néanmoins à un certain nombre de traits communs tout à fait caractéristiques, et qu'on trouve explicités de façon absolument claire dans l'ouvrage fondateur de Hans Jonas, le philosophe allemand, Le principe responsabilité. Disons que l'idée clé est que la crise écologique, avant d'être un résultat du mode de production, est un résultat de la consommation compulsive de l'être humain en tant que tel. C'est une conception qui n'est pas étrangère à une vision religieuse du péché originel de l'être humain, de son envie de consommation, de son envie de possession, de son envie d'accumulation et d'ostentation à travers les biens matériels. De sorte que, en fait, tout le courant écologique, j'ai relu cet ouvrage de Hans Jonas récemment et j'ai été frappé du fait que, en fait, toutes les variantes de la mouvance écologique, que ce soit sur le terrain politique ou sur le terrain associatif, restent en fait dans le creuset, dans le moule idéologique qui était celui de Jonas, de sorte qu'il y a en fait deux variantes d'écologistes politiques ou d'écologistes associatifs, ceux qui, disons la variante libertaire, qui plaide pour une contagion culturelle par l'exemple de la sobriété librement consentie, ou bien une variante autoritaire qui estime que quelque part, puisque l'être humain est incapable de se restreindre lui-même, l'État doit prendre des mesures autoritaires pour limiter la consommation, limiter la pression sur les ressources, voire limiter la population. Et là, il y a différentes
variantes de personnages qui, là, glissent évidemment dans un soutien aux politiques d'austérité telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui par les gouvernements capitalistes. Alors, le rendez-vous raté des marxistes avec la question écologique a très largement et très généralement été imputé aux faiblesses de Marx et Engels eux-mêmes, y compris par les marxistes. Bon, quelqu'un d'aussi ouvert et talentueux que Daniel Ben Saïd a concédé tout au plus qu'il y avait chez Marx certaines intuitions écologiques. Un auteur très préoccupé de marxisme et de lien entre le marxisme et la question écologique, comme Michael Lewy, considère que Marx et Engels n'ont pas pris conscience des limites naturelles au développement humain. Je pense que ces critiques sont abusives. Je pense que ces critiques sont abusives et je pense qu'il y a chez Marx et Engels beaucoup plus que ce qu'on a appelé des intuitions écologiques. Alors je voudrais donner rapidement quelques éléments à cet égard. Le premier point, c'est que l'existence de limites naturelles au développement humain est une évidence pour Marx et Engels en tant que matérialistes. Ils considèrent que le monde est fini, considèrent que la planète est finie, considèrent donc que les ressources naturelles sont finies. Marx considère même que l'augmentation de la productivité du travail humain en tant que force de travail, en tant que ressource naturelle, a des limites. Il y a donc, enfin, je glisse là, rapidement sur ce point qui, à mon avis, ne souffre pas de contestation. Deuxième point, c'est que l'existence des limites naturelles est en fait au cœur de la théorie marxiste de la rente foncière et de la rente minière. Marx explique de façon absolument transparente que le caractère fini des ressources naturelles, notamment le caractère limité des terres arables disponibles, est une condition pour l'appropriation, pour l'accaparement privé de la terre. Il y a une citation que je cite de mémoire, donc avec certaines peut-être imprécisions, dans laquelle il dit « Si la terre existait en quantité illimitée, la propriété capitaliste de la terre aurait été impossible, et donc l'expropriation, la séparation entre le producteur et son moyen de production principal, la terre, les ressources naturelles, aurait été impossible. Et cette séparation étant la condition sine qua non du capitalisme, on peut résumer Marx sur ce point en disant que sans caractère limité des ressources naturelles, il n'y aurait pas eu de capitalisme possible. Le troisième point, c'est que, contrairement à ce qui a été souvent dit par les marxistes des 50 ou 60 dernières années, Marx et Engels ne sont pas passés à côté des manifestations précoces des destructions écologiques causées par le capitalisme. À leur époque, il y en avait essentiellement trois. La première, c'est la destruction des forêts, puisque la fabrication de charbon de bois a été, dans la phase initiale de l'industrialisation, une des sources énergétiques concurrentes du charbon de terre, de la houille, qui a fini par l'emporter, comme chacun le sait. Et donc, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, la déforestation a pris des proportions extrêmement importantes en Europe occidentale. Et on trouve dans le Capital des passages absolument lumineux à cet égard, où Marx montre l'incapacité du capitalisme en tant qu'il est orienté sur la conquête du profit immédiat, sur le court-termisme, comme disent aujourd'hui les écolos, l'incapacité de ce système à assumer une gestion de moyen ou de long terme, qui est par définition la gestion des ressources forestières. Un deuxième aspect, une deuxième manifestation du caractère écocidaire du capitalisme dans ses débuts, lors de la révolution industrielle, est la pollution urbaine. Et chacun sait que Engels, en particulier, a consacré des pages absolument décisives à la dénonciation de la situation terrible faite aux prolétaires à travers la destruction de l'environnement urbain, à travers la pollution urbaine, à travers le manque d'hygiène de l'urbanisation capitaliste. Et enfin, le troisième aspect de la crise écologique à l'époque de Marx et Engels, c'était la destruction des sols. Parce que l'urbanisation capitaliste impliquait la migration de populations importantes des campagnes vers les villes, que cette migration impliquait la rupture du cycle de nutriments, comme disent les agronomes en termes très polis, c'est-à-dire, pour le dire en termes tout à fait plats et vulgaires, que la merde ne retournait plus au champ,
la déjection humaine finissait dans le caniveau, des caniveaux elle partait dans les rivières, des rivières elle partait dans les fleuves, et des fleuves elle partait à la mer, c'est-à-dire que les éléments minéraux nécessaires, la circulation permettait de réapprovisionner les terres agricoles, cette circulation était interrompue et donc les sols s'appauvrissaient inévitablement en éléments minéraux. C'est Liebig, le fondateur de la chimie des sols, qui avait tiré la sonnette d'alarme sur cette réalité à l'époque de Marx. Marx s'est penché de très près sur les analyses de Liebig et en a déduit une série de conclusions que je voudrais maintenant expliciter, qui sont le quatrième point de mon argumentation sur Marx, Engels et l'écologie, à savoir ce concept de régulation rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature. Donc, comme je viens de le dire, le point de départ de Marx est relativement plat ou élémentaire, c'est cette question du cycle des nutriments, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une circulation des éléments minéraux entre l'humanité et la terre nourricière, ou la terre-mère, comme on dirait, la Pachamama, comme on dirait aujourd'hui en Amérique latine. Et le génie de Marx se manifeste dans le fait qu'il ne s'est pas contenté des analyses de Liebig sur l'appauvrissement des sols, c'est-à-dire il a généralisé la problématique. Et il l'a conceptualisé en disant que, en allant jusqu'à dire que la seule liberté possible pour l'être humain était la gestion rationnelle des échanges de matière, autrement dit du métabolisme social, comme dit la traduction française du Capital, la gestion rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature. Et à partir de ce concept général, il revient au cas particulier des sols et il en déduit qu'il faut abolir la séparation entre la ville et la campagne. Il faut donc relocaliser, pour ainsi dire, la production industrielle pour qu'elle puisse être compatible avec la circulation des éléments minéraux entre l'humanité et la nature. Dans ces pages de Marx, il va même plus loin, je veux dire, sans être explicite, aussi explicite que quand il parle de l'abolition de la séparation entre la ville et la campagne, il traite néanmoins la problématique majeure à son époque de l'importation massive de fibres textiles à partir des colonies, à partir de l'Inde, l'importation massive du coton vers la Grande-Bretagne, la transformation de ces fibres de coton en produits textiles, et il inclut ça dans son analyse, c'est-à-dire qu'il inclut ça comme un des éléments qui concourt à la rupture, à l'interruption du cycle des nutriments, puisque bien sûr, ces fibres textiles, une fois dégradées, ne retombent pas à la terre sur laquelle le coton a été produit. Je veux dire par là que la discussion très actuelle sur la relocalisation ou non de la production agricole peut être menée en s'appuyant en partie sur certains éléments de l'analyse marxiste, de sorte que certains marxistes un peu dogmatiques aujourd'hui qui considèrent qui balayent d'un revers de main la problématique de la relocalisation de la production économique et notamment de la production agricole feraient peut-être bien de relire certains passages de Marx à cet égard. Alors, tout ça m'amène à dire que sans aller jusqu'à considérer qu'il y a une écologie de Marx, ou plus exactement, sans aller jusqu'à prétendre, comme John Bellamy Foster et Paul Burkett, deux auteurs américains, que l'écologie est au cœur du marxisme, ce qu'ils écrivent dans un de leurs ouvrages, je pense qu'il y a néanmoins quelque chose comme une écologie de Marx. Il y a quelque chose comme une écologie de Marx. Alors il ne faut pas avoir de cela une vision apologétique, et s'il faut reprocher quelque chose à Foster et Burkett, c'est d'avoir cette vision apologétique quand ils déclarent que l'écologie est au cœur du marxisme. Ça, c'est de toute évidence exagéré. L'écologie, la problématique écologique est relativement marginale dans les quelques milliers de pages qui composent les quatre livres du Capital. Ça n'occupe que quelques dizaines de pages. Mais ce sont des pages extrêmement importantes, certes, mais ce n'est pas au cœur du marxisme. Et il n'y a pas une préoccupation, sauf une préoccupation marginale sur l'importance d'une transition vers un autre mode de production qui serait écologiquement soutenable aujourd'hui. Alors, la question qu'en fait il faudrait, que nous devons nous poser, je crois, en tant que marxiste, en tant que marxiste révolutionnaire, c'est la question de savoir pourquoi cet acquis, cette écologie partielle, ou ces éléments d'une écologie de Marx ont été perdus par les marxistes.
Parce que, indiscutablement, ces acquis ont été perdus. Prendre un exemple dans le courant politique auquel j'appartiens, dans le mouvement trotskiste, il y a un écrit célèbre d'Ernest Mandel polémiquant dans les années 70, pardon, comme vous dites, dans les années 70 avec le rapport Mansholt. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le fameux rapport du Club de Rome sur la nécessité d'une croissance zéro. Donc il y a un article célèbre d'Ernest Mandel dans lequel il polémique contre le rapport Mansholt. Et il est absolument frappant que Mandel, d'une part, est au courant des écrits de Marx. C'était un expert de Marx, c'était un spécialiste de Marx. Donc dans son article, il cite le concept de métabolisme social. Il parle de la nécessité d'une régulation rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature. Il cite Marx sur ce point, mais visiblement, il ne sait pas quoi faire de l'instrument idéologique, de l'instrument conceptuel qu'il a en main. Il le cite et il ne sait pas comment faire. Et l'axe de son article, l'axe de sa réponse au rapport Mansholt sur la croissance zéro, constitue en fait une fuite en avant technologique. C'est l'idée qu'on va pouvoir fertiliser les déserts. C'est l'idée qu'on va pouvoir faire de l'agriculture hors sol, c'est l'idée, etc. Donc, toute une série de considérations qui reviennent à dire, en fait, que les solutions technologiques existent, que le problème, c'est seulement que la loi de la valeur capitaliste empêche de les mettre en œuvre, et que donc, il faut abolir le mode de production capitaliste, passer à une société socialiste, pour que ces solutions technologiques puissent être déployées dans l'intérêt de l'humanité. Je cite cet exemple parce que Mandel est certainement le contraire d'un marxiste dogmatique, c'est quelqu'un qui était ouvert aux problématiques nouvelles, extrêmement sensible aux mouvements sociaux, donc sensibilisé ou sensibilisable a priori à la problématique écologique, et néanmoins lui-même est passé à côté du rendez-vous avec le problème environnemental. Alors, je ne vais pas vous donner aujourd'hui une réponse toute faite ou parfaitement convaincante à la question que je pose moi-même. Je ne sais pas, je n'ai pas une réponse achevée, mon opinion n'est pas bouclée sur la réponse à donner à cette question. Pourquoi les marxistes ont raté le rendez-vous avec la question écologique ? John Bellamy Foster, que j'ai cité, a une explication, bon, je vous la livre, je vais la critiquer par après. Pour lui, le fil avec l'écologie de Marx a été rompu parce que le marxisme occidental, le dit marxisme occidental, Gramsci, des auteurs comme ça, ont perdu le lien avec les sciences naturelles. On sait que Marx et Engels étaient très préoccupés de suivre le développement de la pensée scientifique, le développement des découvertes scientifiques dans les sciences appliquées, dans les sciences naturelles, dans les sciences exactes. Et selon Foster, ce fil a été perdu par le marxisme occidental et n'aurait été poursuivi, n'aurait été maintenu, selon lui, que par Boukharine, Nicolas Boukharine. C'est la théorie de Foster, c'est l'explication de Foster. Or, comme Boukharine a été victime de Staline, assassiné par Staline, eh bien, le fil s'est rompu quelque part à la fin des années 30. Et voilà, donc il s'agit de renouer avec le fil de l'écologie de Marx et les problèmes seront résolus. Alors, il me semble que tout n'est pas faux dans cette explication, mais il me semble qu'elle pêche tout de même par un très grand simplisme. Il me semble exact que l'intérêt pour les sciences naturelles a baissé parmi les marxistes en général, parmi les théoriciens marxistes en particulier, et qu'il y a là un certain problème dont il faudrait tirer des conclusions aujourd'hui. Il me semble indiscutable que Boukharine est le seul, que je sache, des marxistes russes qui est apparemment intégré et vu l'intérêt des travaux de Marx sur la gestion rationnelle du métabolisme ou de l'échange de matière entre l'humanité et la nature. Dans son précis sur le matérialisme dialectique, tout un chapitre est consacré à cette question et ce chapitre est intelligent. Boukharine va jusqu'à dire que les différents travaux humains sont comparables du point de vue de la quantité d'énergie qu'ils ont nécessité, ce qui est une problématique qui ne se trouve pas chez Marx, qui est un ajout de Boukharine et qui est indiscutablement utile aujourd'hui. Mais de là à faire de Nicolas Boukharine un espèce de théoricien avant la lettre de l'écosocialisme, il me semble qu'il y a une marge à ne pas franchir. D'abord parce que Boukharine n'a jamais transformé ses réflexions sur
ou sa réflexion sur les apports de Marx en cette matière, il ne les a jamais traduits en propositions politiques, en combats programmatiques, en propositions sur le développement de l'Union soviétique, etc. Mais aussi et surtout parce que Boukharine est le théoricien du socialisme dans un seul pays et qu'il y a une contradiction insurmontable, je dirais même plus qu'une contradiction, un antagonisme total entre l'idée de gérer rationnellement les échanges de matière entre l'humanité et la nature, d'une part, et d'autre part, l'idée d'un socialisme dans un seul pays, c'est-à-dire maintenant une coexistence plus ou moins pacifique avec un monde capitaliste continuant à dominer le reste de la planète. Une gestion rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature n'est possible que dans le cadre d'une planète débarrassée de l'exploitation capitaliste, de l'exploitation de la force de travail et du pillage des ressources naturelles. Donc, l'explication de Foster sur la réponse que Foster apporte à la rupture, à la perte de continuité, à la solution de continuité dans le marxisme par rapport à l'écologie de Marx, c'est une explication qui me semble beaucoup trop sommaire. En particulier, elle ne prend pas en compte le fait indiscutable, selon moi, que bien avant la dictature stalinienne et la nuit qu'elle a fait tomber sur la pensée, bien avant cela, les marxistes russes, y compris Léon Trotsky lui-même, témoignait d'une absence totale ou très profonde de sensibilité par rapport à la question écologique. Enfin, je ne veux pas être cruel en vous livrant un certain nombre de citations décrites Trotsky en la matière, mais Trotsky pensait que la société socialiste pourrait déplacer les montagnes, non seulement comme la foi le fait, mais les déplacer matériellement, déplacer les rivières comme le stalinisme envisageait de le faire par la suite, déplacer même les océans. On trouve chez Trotsky un certain nombre de considérations, je dirais borderline, sur la question de l'eugénisme et de la sélection d'un second socialiste, et on trouve chez lui une conception de la domination de la nature qui est, disons, très, très critiquable et qui ne témoigne d'aucune sensibilité à la question environnementale. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas une réponse, personnellement, une réponse achevée, une explication achevée à vous proposer au problème qui est posé, celui de la solution de continuité, de la perte de continuité par rapport à l'écologie de Marx. Je vais juste vous donner quelques éléments. Il y a deux éléments qui semblent relativement évidents au premier abord. Le premier, c'est que Foster sous-estime l'influence, son explication est trop idéologique, pas assez sociale. Et un facteur majeur à prendre en compte est certainement l'influence extrêmement importante qu'a eu le mouvement ouvrier réel sur la pensée marxiste, sur la pratique et sur la pensée des théoriciens marxistes. Et en particulier le mouvement ouvrier réel au début de l'industrialisation sous l'influence social-démocrate, avec tout ce qu'il a produit comme syndicalisme, comme pensée syndicale, comme idéologie syndicale, tournée en fait autour d'un compromis entre la classe ouvrière et le capital, autour du partage de la plus-value. Et donc il y a là une certaine imprégnation, je pense, du marxisme, y compris des marxistes révolutionnaires, qui ne doit pas être sous-estimé. Un deuxième élément qui est encore plus évident, c'est que la révolution socialiste a triomphé pour la première fois dans un pays arriéré, la Russie, un pays arriéré où la question du développement industriel est devenue très rapidement une question clé pour éviter que la paysannerie se retourne, grande masse, la majorité de la population, c'est-à-dire la paysannerie, se retourne contre le pouvoir révolutionnaire. La question d'une industrialisation était une question stratégique clé qui a peut-être escamoté un certain nombre d'enjeux écologiques qui pourtant étaient formulés à l'époque par des scientifiques qui étaient amis du régime et dont certains étaient membres du parti communiste. Et tout ça, évidemment, pour éviter l'anachronisme, il faut souligner le fait que tout cela se place dans un contexte très précis, qui est un contexte d'encerclement de l'Union soviétique par l'impérialisme, un contexte de tentative d'étouffer, de renverser le pouvoir révolutionnaire. Donc, il me semble relativement évident que dans un tel contexte, les préoccupations environnementales ne pouvaient passer qu'au deuxième, au troisième ou au quatrième plan, y compris chez les théoriciens
marxistes les plus pointus. Alors je pense qu'il y a un troisième élément qui entre en compte, en tout cas au niveau des théoriciens marxistes, au niveau de penseurs, au niveau d'auteurs de l'envergure d'Ernest Mandel, par exemple, que je citais il y a un instant. Et cet élément, c'est plus un élément au niveau de la théorie. Je pense qu'il me semble que Marx n'a pas été totalement conséquent. C'est-à-dire qu'il n'a pas appliqué son propre concept de gestion rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature. Il ne l'a pas appliqué à la question énergétique. Il est parti de la question des sols pour élaborer le concept. Ayant élaboré le concept, il est revenu à la question des sols et en a déduit cette conception, cet axe stratégique génial, l'abolition de la séparation entre la campagne et la ville. Il aurait pu faire la même chose sur la question énergétique. Il est passé quelque part à côté de la montre en or, parce que fondamentalement, la question des sols qui l'a inspiré et la question énergétique posent le même problème, le problème la nécessité d'une vision cyclique et évolutive à la fois de la relation entre l'être humain et la nature. Et il est frappant que l'analyse de l'industrialisation, de la révolution industrielle par Marx, qui est une analyse absolument géniale et brillante, fait l'impasse sur un élément décisif de cette industrialisation, à savoir qu'elle se marque par la transition de l'utilisation d'une énergie de flux, le bois, à l'utilisation d'une énergie de stock, la houille. Le bois, c'est de l'énergie solaire, c'est donc une énergie renouvelable. L'utilisation du bois, c'est l'utilisation de l'énergie solaire comme ressource énergétique. Le bois était la ressource majeure, il a été approprié par les seigneurs se transformant en propriétaires capitalistes très tôt, à partir du XIIIe, XIVe siècle en Europe occidentale, en Grande-Bretagne en particulier. Et donc le passage à la houille est un passage qualitatif extrêmement important. C'est le passage d'une énergie renouvelable à une énergie non renouvelable, épuisable à l'échelle historique, à l'échelle humaine des temps. Et c'est un point que Marx ne note pas, de sorte qu'il y a en fait chez lui, selon moi, mais je sais que ça se discute, et nous le discuterons sans doute, je pense qu'il y a selon moi coexistence chez Marx entre deux schémas, un schéma circulaire évolutif qu'il applique à la question des sols, où il voit que la ressource est épuisable s'il n'y a pas un certain nombre de mesures structurelles qui sont prises, et notamment la séparation, l'abolition de la séparation entre la ville et la campagne, pour supprimer le problème de l'interruption du cycle des nutriments. Et d'autre part, il y a un schéma linéaire classique qu'on retrouve chez les économistes bourgeois, le schéma ressource, utilisation, déchets. La ressource ici, c'est le charbon, son utilisation, c'est la combustion, et le déchet, c'est le CO2. Évidemment, il ne faut pas s'appuyer sur cette interprétation pour reprocher à Marx ou à Engels de ne pas avoir anticipé sur l'augmentation de l'effet de serre par l'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère. Le pouvoir radiatif du CO2 était connu à leur époque, mais c'est après leur mort que, pour la première fois, un physicien a émis l'hypothèse que l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère pourrait avoir comme conséquence un réchauffement de la température moyenne de surface de la Terre. Donc il ne s'agit pas de faire de l'anachronisme, mais la conclusion que Marx aurait pu tirer par parallèle, par analogie avec son analyse de la question des sols, était que l'utilisation du charbon faisait du capitalisme un mode de production absolument insoutenable. Et cette conclusion-là était déjà tirée à son époque par des physiciens, par des mathématiciens, notamment par un Français qui s'appelle Augustin Bouchot, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie dans le bouquin, mais je cite ça dans mon ouvrage, qui était un professeur de mathématiques à l'université de Tours et un inventeur génial, un bricoleur génial, qui avait mis au point la première presse à imprimer à l'énergie solaire, qui était exposée dans une exposition universelle à Paris, qui fonctionnait très bien, et qui a écrit un ouvrage dans lequel il explique que l'utilisation des combustibles fossiles est insoutenable, que tôt ou tard, l'humanité devra passer à l'utilisation de l'énergie solaire, seule source d'énergie inépuisable à l'échelle humaine des temps, en soulignant bien à l'échelle humaine des temps. Enfin, c'est tout de même une échelle très longue, puisque le Soleil nous garantit son énergie pour encore 4 milliards et demi d'années au moins. Alors,
Je dirais que le débat sur les raisons pour lesquelles les marxistes n'ont pas été capables de fertiliser et d'implémenter la pensée de Marx ou l'écologie de Marx, quelles que soient les conclusions de ce débat, c'est un débat qui doit continuer, une chose est claire, c'est qu'il me semble évident qu'il y a aujourd'hui urgence à reprendre le fil de cette écologie de Marx et à partir de ce fil à tisser quelque chose de nouveau, à retisser une pensée contestataire du système capitaliste. Et je dirais que la question des changements climatiques est à mon avis absolument exemplaire à cet égard. En fait, les changements climatiques, ou plus exactement le basculement climatique, parce que c'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui, relève fondamentalement d'un problème de gestion irrationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature. Là, on est absolument dans le cadre méthodologique qui a été tracé par Marx avec cette formule absolument géniale. Quelle est en effet l'origine des changements climatiques ? L'origine principale, l'origine majeure, c'est la combustion des combustibles fossiles. En brûlant des combustibles fossiles, l'humanité court-circuite, pour ainsi dire, la boucle longue du cycle du carbone, celle qui passe par la lithosphère et qui met plusieurs centaines de millions d'années à se boucler. En brûlant du charbon, du pétrole, du gaz naturel, ça revient à ceci qu'on injecte dans l'atmosphère des quantités de CO2 qui excèdent les capacités de recyclage de ce gaz, les capacités de recyclage du carbone par les écosystèmes. Il faut savoir en effet que le CO2 est un composé complètement oxydé. Ça veut dire quoi en termes chimiques ? C'est-à-dire, ça veut dire que le CO2 ne réagit avec rien. Donc quand le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, il ne peut en sortir que par deux moyens. Le premier moyen, c'est l'absorption par les plantes vertes, c'est la photosynthèse, tout le monde a appris ça au lycée. Les plantes vertes absorbent du CO2, transforment le CO2 et l'eau en matière organique grâce à l'énergie solaire. Et la deuxième porte de sortie pour le CO2 dans l'atmosphère, c'est la dissolution de ce gaz dans l'eau. Il se dissout spontanément dans l'eau. Et au plus l'eau est froide, au plus il se dissout en quantité importante. Au plus l'eau chauffe, au moins il se dissout. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où on envoie environ, où l'économie mondiale envoie dans l'atmosphère à peu près 11 gigatonnes de carbone chaque année. Et à peu près la moitié de ce carbone n'est plus absorbé par les écosystèmes, ni par les océans, ni par les plantes vertes. Il y a donc accumulation de CO2 dans l'atmosphère, et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il piège une partie de la chaleur terrestre dans la basse atmosphère, l'accumulation de CO2 provoque le réchauffement de la température. Alors, ce phénomène de réchauffement ou de basculement climatique est... Je ne vais pas perdre mon temps à expliquer que les climato-sceptiques se trompent et intoxiquent l'opinion. Bon, s'il y a quelques personnes ici qui ont des doutes là-dessus, on en parlera dans le débat. Ce n'est pas l'objet, je ne vais pas perdre mon temps de parole là-dessus. Disons que le phénomène est véritablement extrêmement inquiétant. Je ne sais pas si tous les auditeurs ici en sont conscients, mais je préfère parler de basculement climatique que de changement climatique. Pourquoi ? Parce que nous risquons fort probablement, de voir la température de surface, moyenne de surface de la Terre augmenter dans les 80 années devant nous, plus qu'au cours des 20 000 années écoulées. Depuis la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, la température moyenne de surface de la Terre a augmenté de 4,5 degrés Celsius, et selon les climatologues, au rythme actuel de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation de température d'ici 2100, c'est-à-dire demain, pourrait être au-delà de 6 degrés Celsius. Si on prend le contenu des accords de Copenhague l'an dernier, on peut prévoir, au rythme de l'accumulation de la production des émissions de gaz à effet de serre qui découle de cet accord, on peut prévoir une augmentation de 4,3 degrés Celsius d'ici 2100. Et ça, c'est l'assurance de conséquences sociales et écologiques extrêmement sérieuses. Une augmentation de 4,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, ça veut dire la quasi-certitude que le niveau des océans, on ne prend que ce paramètre-là, que le niveau des océans va monter de 1 mètre ou plus dans les 80 années devant nous. Il faut savoir qu'un mètre de hausse du niveau des océans, ça signifie que 25% de la population du Vietnam doit déménager. Ça signifie à l'échelle mondiale, selon les estimations, l'obligation pour 150 à 200 millions d'êtres humains de quitter les terres sur lesquelles ils sont installés aujourd'hui, essentiellement dans les pays du tiers-monde.
dans le sous-continent indien, en Chine, dans certaines régions d'Afrique. Le bassin du Nil, par exemple, est extrêmement menacé, etc. etc. Sans compter les autres conséquences en termes de biodiversité, en termes d'augmentation des sécheresses, d'augmentation des accidents extrêmes, etc. Donc, ce n'est pas un problème environnemental, le changement climatique. C'est véritablement un problème global, à la fois environnemental et social, et un problème qui est le résultat de ce que Marx appelait une gestion irrationnelle de l'échange de matière entre l'humanité et la nature. Donc jusque-là, nous sommes en terrain connu. Alors, si on prend les moyens de conjurer ou d'empêcher une catastrophe climatique extrêmement sérieuse, qui ne serait certes pas la fin de l'humanité, la fin de la Terre, la fin de la vie sur Terre, etc., laissons de côté toutes ces eschatologies catastrophistes, mais qui serait tout de même une catastrophe très sérieuse, quels sont les moyens de conjurer ça ? Selon le dernier rapport du GIEC, pour ne pas trop dépasser 2 degrés Celsius de hausse d'ici la fin du siècle, les conditions suivantes doivent être remplies. Premièrement, il faut que les émissions de gaz à effet de serre des pays capitalistes développés soient réduites de 80 à 95% d'ici 2050. Deuxièmement, il faut que les émissions des pays en développement dévient de 15 à 30% par rapport au scénario de référence d'ici 2050 également. Il s'agit donc d'une diminution relative, pas d'une diminution absolue comme celle qui concerne les pays capitalistes développés. Troisièmement, il faut que les émissions au niveau mondial, pays développés, pays non développés inclus, diminuent de 50 à 80% d'ici 2050. Et quatrièmement, il faut que la décroissance, pour lâcher le mot tabou, que la décroissance des émissions mondiales commence au plus tard en 2015, c'est-à-dire demain, n'est-ce pas ? Alors, je crois que l'immense majorité des gens, l'immense majorité de la population, ont extrêmement difficile à saisir les implications de ces quelques chiffres. Ça semble relativement abstrait. Alors, pour le rendre moins abstrait, je vais essayer de mettre un peu de chair autour de l'os. Dans un ouvrage récent, Tim Jackson, qui est le président de la Commission du développement durable du gouvernement de sa gracieuse majesté britannique, fait un petit calcul extrêmement intéressant. Il dit que, en 25 ans, il exprime les obligations, les contraintes de réduction des émissions en termes de grammes de quantité de carbone par dollar de richesse produite. Et ça donne le résultat suivant. Au cours des 25 dernières années, on est passé de 1000 grammes de CO2 par dollar de richesse produite à 700 grammes de CO2 par dollar de richesse produite au niveau mondial. Or, respecter les objectifs du GIEC impliquerait que d'ici 2050, on passe de 700 grammes à 40 grammes de CO2 par dollar de richesse produite, 55 fois moins. Et ce, encore, dans l'hypothèse d'une population mondiale de 6 milliards d'êtres humains, qui est sans doute une hypothèse optimiste, puisque plus que probablement, on sera à 9 milliards d'êtres humains, ce qui implique qu'il faudra être à 14 grammes de CO2 par dollar de richesse produite. Donc c'est un élément qui permet, je crois, d'appréhender de façon plus concrète le défi énorme auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui, si elle veut mettre fin à la gestion irrationnelle de l'échange de matière entre l'humanité et la nature, qui a donné lieu à cette menace terrible que constitue le changement climatique. Alors, quelques éléments supplémentaires pour appréhender la difficulté de la tâche, l'énormité du défi. Premièrement, les énergies renouvelables. OK, les énergies renouvelables existent et elles peuvent prendre le relais des énergies fossiles. Le potentiel technique des énergies renouvelables est suffisant pour cela. Il représente 6 à 18 fois, selon les estimations, la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui. Donc techniquement, si on veut, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une obligation, une fatalité de retourner à la bougie. Mais ça, c'est le potentiel technique. Le potentiel qui est pris en compte par le capitalisme n'est pas le potentiel technique, c'est le potentiel économique. C'est-à-dire, il faut prendre en compte le coût des renouvelables. Or, les renouvelables aujourd'hui sont plus chers que les fossiles et le resteront au moins pendant les 20 années devant nous, à quelques exceptions près, l'hydroélectricité dans certains sites, l'éolien dans certains sites. Premier élément. Donc il y a un problème de cherté des renouvelables qui est un problème insurmontable dans le système capitaliste. Deuxièmement, les renouvelables peuvent prendre le relais des fossiles, oui, mais on ne change pas d'énergie, de source énergétique comme on changerait de carburant à la pompe. Ce n'est pas aussi simple que de passer du 85 octane au 90 octane. Il faut changer de système énergétique.
On a aujourd'hui un système énergétique qui est centralisé. Il faut passer à un système énergétique complètement décentralisé, dans lequel c'est la condition sine qua non pour que quand on produit de l'électricité, on puisse récupérer et utiliser la chaleur qui résulte inévitablement de la production d'électricité. Or, changer de système énergétique, ce n'est pas une petite affaire. Ça demande des investissements énormes. Pour prendre un exemple, il y a une étude qui a été faite pour la Commission européenne qui stipule que en équipant de panneaux photovoltaïques tous les toits orientés au sud dans l'Union, on pourrait produire suffisamment d'électricité pour satisfaire les besoins de la population européenne. Mais il faut le faire, ça. Ça implique de produire les panneaux. Ça implique d'isoler préalablement les bâtiments, parce que c'est un non-sens énergétique de mettre des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments qui ne sont pas isolés. Il faut commencer par isoler toutes les maisons pour consommer moins d'énergie. Donc, tout cela, cet exemple pour dire que changer de système énergétique demande des investissements colossaux, colossaux. Ces investissements demandent une production. Il faut produire les équipements, il faut produire les réseaux de chaleur, il faut produire les panneaux photovoltaïques, il faut produire les éoliennes, il faut produire les centrales à cogénération. Or, en début de transition, par définition, l'énergie nécessaire à la production de toutes ces installations ne peut être qu'une énergie d'origine fossile, à 80% d'origine fossile. Donc la production des matériaux et des équipements nécessaires à la transition énergétique va entraîner un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre et risque d'accélérer les changements climatiques. Donc il faut, conclusion du raisonnement, il faut pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, il faut, c'est la condition sine qua non de faisabilité, réduire drastiquement pendant la période de transition la consommation finale d'énergie. Drastiquement, ça veut dire de combien ? Ça veut dire, selon certains thermodynamiciens, pour l'Union européenne, réduire de 50% la consommation finale d'énergie, plus aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, un citoyen américain moyen consomme par an 8 tonnes d'équivalent pétrole pour 4 tonnes d'équivalent pétrole pour un Européen en moyenne, alors que le niveau de vie n'est pas deux fois supérieur. Donc, aux États-Unis, les chercheurs estiment qu'il faudrait réduire la consommation finale d'énergie de 75% pour réussir la transition énergétique vers les renouvelables. Et là se pose le grand problème. Jean Salem parlait de décroissance. C'est ici qu'on entre dans le débat avec les décroissants. Parce que réduire dans une telle ampleur la consommation finale d'énergie n'est pas possible sans diminuer la transformation de matière. Pas en proportion, pas proportionnellement, mais il faut une certaine réduction de la production de matière et des transports, puisqu'ils sont, nécessitent de l'énergie et donc produisent des gaz à effet de serre. Et donc, c'est là le noyau rationnel de la décroissance et des partisans de la décroissance. Je ne suis pas un partisan de la décroissance. Il y a beaucoup de choses que je refuse, évidemment, au niveau philosophique, même au niveau scientifique, chez les porte-parole de ce courant. Mais il y a un point sur lequel ils ont raison. Si on veut réussir la transition vers les énergies renouvelables, ce qui est indispensable pour sauver le climat et donc pour éviter une catastrophe écologique et sociale de grande ampleur, il est indispensable de produire moins, en particulier dans les pays capitalistes développés. Il faut une réduction relativement substantielle de la production. Or, et c'est là que le problème se boucle et prend véritablement toute son ampleur, il y a 3 milliards d'êtres humains sur cette planète qui manquent de l'essentiel. Et satisfaire leurs besoins, qui sont des besoins légitimes, nécessite une production matérielle, donc nécessite une transformation de matière, donc nécessite de l'énergie. Donc nécessite de l'énergie qui aujourd'hui est à 80% d'origine fossile. Il ne s'agit pas de production de luxe, il s'agit de produire des écoles, il s'agit de produire des hôpitaux, il s'agit de produire des centres de traitement, des installations de traitement des eaux usées, il s'agit de produire des installations de production électrique par sources renouvelables éventuellement, etc. Donc il s'agit de besoins fondamentaux et légitimes, de besoins légitimes au développement. Donc là, l'équation, le problème se boucle véritablement. D'un côté, pour sauver le climat, il s'impose de produire moins et de consommer moins d'énergie. De l'autre, pour satisfaire les besoins légitimes de près de la moitié de l'humanité aujourd'hui, il s'impose de produire plus, donc d'utiliser davantage d'énergie. Et donc je pense que c'est là qu'on revient au point de départ de l'exposé, l'impossible capitalisme vert. Cette équation-là, le système capitaliste est totalement incapable de la résoudre. Peut la résoudre à sa manière, oui, mais sa manière sera barbare. Sa manière sera barbare. Elle implique
des conséquences écologiques et sociales relativement catastrophiques, elle implique une fuite en avant dans des technologies dangereuses, essentiellement le nucléaire, mais aussi la production massive d'agrocarburants aux dépens des productions vivrières et les procédés de capture et séquestration géologique du carbone qui, disons, soulèvent un certain nombre de risques mal maîtrisés aujourd'hui. Et donc, je crois que face à un problème d'une telle ampleur, la nécessité d'actualiser, de reprendre le fil de l'écologie de Marx, de l'approfondir, de le systématiser, d'élaborer sur cette base, apparaîtra à tout militant ou à tout intellectuel ou à toute personne consciente. Je dirais, on a plus que jamais besoin des marxistes face à l'ampleur de la question écologique pour tracer une alternative, pour tracer des perspectives qui permettent de prendre le problème. On a besoin des marxistes pour dire que le problème fondamental ne se situe pas dans l'envie compulsive de consommation des populations, de l'être humain en tant que tel, mais que le problème essentiel se situe dans la dynamique même du système capitaliste et dans son productivisme génétiquement déterminé par la course à la rente technologique, la course au surprofit qui anime chaque patron individuel. On a besoin de marxistes pour dire que la tendance de ce système à la surproduction s'accompagne non seulement d'une tendance équivalente à la surconsommation, mais s'accompagne aussi et surtout d'une gigantesque accumulation de misère à l'autre pôle de la société, et que cette accumulation de misère est une condition de survie du système parce qu'elle permet de faire pression sur les salaires, de faire pression sur les revenus de remplacement, de faire pression sur la valeur de la force de travail. Et on a besoin de marxistes pour dire que, in fine, la solution ne peut résider que dans le fait de substituer la production de valeur d'usage à la production de valeur d'échange, c'est-à-dire de passer à une société de type socialiste. Et enfin, je dirais, on a besoin de marxistes aujourd'hui qui s'intéressent à la question de l'écologie, parce qu'évidemment, qui dit solution anticapitaliste à la problématique écologique implique que cette solution anticapitaliste doit venir forcément des exploités et des opprimés. Ce n'est que par leur mobilisation sociale qu'une solution peut surgir, de là l'importance du fait qu'il y ait relativement peu de monde aujourd'hui et que la majorité des personnes conscientisées par le problème soient dans la manifestation pour la protection des retraites. Au-delà de la boutade, il n'y a que par la lutte sociale, la lutte collective, le développement des solidarités entre les exploités et les opprimés à l'échelle mondiale, que ceux-ci peuvent se constituer en hommes sociaux, en producteurs associés, capables de gérer rationnellement les échanges de matières dont parlait Marx entre l'humanité et la nature. Alors, ceci dit, après cet exercice d'autosatisfaction sur le thème « On a besoin des marxistes », je crois qu'il est nécessaire de passer à un certain nombre d'autocritiques, ou plus exactement, de prendre conscience du fait que les marxistes ont besoin d'un aggiornamento sérieux, profond, s'ils veulent être capables de relever le défi de la problématique écologique en général et de celle du changement climatique en particulier. Le premier point qu'il faut intégrer, c'est que le problème auquel nous sommes confrontés est un problème nouveau, relativement nouveau. C'est le problème des limites du développement humain, des limites physiques du développement humain, des limites naturelles du développement humain. Il ne peut donc s'agir pour les marxistes de considérer que la question écologique se limiterait à faire un ajout à leur programme. On prendrait le programme, il y a les 10 premiers points, puis on ajouterait un 11e point, l'écologie, comme on a ajouté un 10e point, les femmes, quand on ne l'oublie pas. Non, le problème est plus global que ça. Il s'agit de réexaminer l'ensemble du programme marxiste, de l'alternative marxiste révolutionnaire, de l'alternative socialiste, à la lumière de ce fait majeur. Nous sommes confrontés aux limites du développement humain. Premier point. Deuxième point, on est entré dans une période nouvelle, y compris les géologues considèrent que nous sommes entrés dans une ère géologique nouvelle. Nous sommes entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire dans une ère géologique où l'espèce humaine est capable non seulement de produire, non seulement elle produit son existence, non seulement elle produit son environnement local en le modifiant, mais elle produit l'environnement global. Nous sommes en train de produire l'environnement global dans lequel vivront nos enfants et nos petits-enfants, et nous sommes en train de le produire pour le pire aujourd'hui. Il faut donc
un changement au niveau culturel, si vous voulez, un changement au niveau éthique, qui est un changement profond. Il faut introduire l'idée que l'humanité est responsable de la nature. Et il faut donc introduire l'idée, que je reprends à Isabelle Stengers, l'axe stratégique de prendre soin de « take care of ». Nous devons prendre soin de l'environnement. La responsabilité de l'humanité est de prendre soin de la gestion rationnelle des échanges avec la nature aujourd'hui, et c'est en particulier une responsabilité de la classe ouvrière, des exploités et des opprimés en tant que principal sujet de la transformation sociale. Alors ça débouche sur un certain nombre de considérations qui sont des considérations importantes en ce qui concerne la productivité du travail. Et je dirais en particulier la productivité du travail dans tous les secteurs qui ont un rapport direct avec l'utilisation des ressources naturelles. En premier lieu, l'agriculture, au sens large, y compris la foresterie. Or, quelle est l'attitude des socialistes et des marxistes en général dans ce domaine? C'est de considérer que toute augmentation de la productivité du travail agricole est bonne. N'est-ce pas? La mécanisation de l'agriculture permet de soulager l'humanité de la difficile et tâche ardue de prendre la houe, d'avoir le contact direct avec la matière, avec la terre, avec la production agricole. Cette conception-là doit être remise en question assez radicalement aujourd'hui, à partir de l'idée que nous devons prendre soin de la nature. Pourquoi? Parce que le maintien d'une agriculture industrielle, de l'agro-business ultra-productif tel que nous le connaissons aujourd'hui, est absolument incompatible avec le sauvetage du climat. Près de 50% des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, notamment de CO2, sont des émissions qui viennent de la production agricole au sens le plus large, c'est-à-dire y compris la production des machines agricoles, y compris la production des engrais, y compris le transport de ressources agricoles, d'aliments, d'un point à l'autre du globe, y compris l'énergie nécessaire à la transformation des aliments. Donc, au sens large, près de 50% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au système de l'agrobusiness. Il est évident que si on veut sortir de l'agrobusiness, et c'est indispensable de le faire pour sauver le climat au vu de ces chiffres, si on veut le remplacer par une agriculture paysanne, biologique, paysanne ou coopérative, une agriculture biologique, ça s'accompagnera inévitablement d'une nécessaire augmentation du travail social investi dans ce secteur de l'économie. Si on veut replanter des haies pour favoriser la biodiversité, si on veut recréer des zones humides pour favoriser la biodiversité, si on veut remplacer le système des grandes exploitations en monoculture par des parcelles diversifiées, de cultures diversifiées, favorisant la biodiversité, permettant la lutte écologique contre les nuisibles, etc., tout ça demande du travail humain. Tout ça ne peut pas être entièrement mécanisé. Alors je ne plaide pas pour un retour à la houe, et pour un retour à la faux ou à la faucille, qui fait très mal au dos, comme chacun sait, dans son utilisation. Mais ces tâches pourraient être des tâches de haute scientificité et de haute technicité. La lutte, le remplacement des pesticides par des moyens de lutte biologique en particulier demande des moyens de haute scientificité, une connaissance très fine du vivant, des interactions entre les insectes, les plantes, etc. Mais tout ça n'est pas mécanisable. Tout ça demande une augmentation du travail humain dans l'agriculture. Il y a donc là... contrairement à ceux qui penseraient que le concept d'écosocialisme ne serait qu'une nouvelle étiquette sur la bouteille, on voit à travers cet exemple de la production agricole et de la contestation de la mécanisation de l'agriculture, on voit qu'il s'agit de transformations relativement profondes du cadre de pensée qui est celui des marxistes et des socialistes. Troisième point, c'est qu'on dit l'urgence écologique, c'est le titre de la conférence d'aujourd'hui, les marxistes face à l'urgence écologique. Je crois que les indications qui ont été données sur l'ampleur du défi climatique montrent suffisamment l'urgence. Nous sommes en retard. Nous pouvons même prédire aujourd'hui que les catastrophes écologiques dues au changement climatique ne sont plus évitables. Il n'est pas réaliste de croire, à moins d'espérer de croire en une révolution prolétarienne mondiale triomphante demain, ce qui malheureusement n'est pas à l'ordre du jour. Je crois Jean Salem, en dépit de la lutte de classe remarquable en France, il est peu réaliste de miser sur cette solution, donc il est fort probable que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne vont pas commencer à diminuer en 2015. Il est donc fort probable que la température augmentera de plus de 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Il est donc fort probable que nous aurons à faire face à des catastrophes sociales et écologiques, dont la catastrophe du Pakistan cet été est un peu un signe avant-coureur. Et donc il faut prendre l'urgence au sérieux.
Alors, quand je disais que les marxistes ont raté le rendez-vous avec la question écologique, c'est vrai, ça a changé, la situation a changé, heureusement. Il n'y a plus aucun groupe ou courant marxiste aujourd'hui qui ne dit rien de la question écologique. Mais en général, l'immense majorité d'entre eux se contentent de dire c'est la faute au capitalisme. Et ça, c'est devenu aujourd'hui totalement insuffisant. Puisqu'il y a urgence à cet égard sur les moyens d'intégrer le social et l'environnemental aujourd'hui, c'est véritablement la question clé à laquelle, sur laquelle les marxistes doivent se pencher. Et il n'y a qu'eux qui peuvent apporter une réponse à cet égard. Ce n'est pas la préoccupation des courants écologiques, qu'ils soient, quelle que soit leur tendance, qu'ils soient décroissants, objecteurs de croissance ou partis verts, aucun ne se soucie véritablement de faire de la question environnementale une question sociale, une question de lutte par les exploités. Nous seuls, en tant que marxistes, pouvons apporter une réponse à cet égard, et c'est véritablement notre responsabilité majeure que de le faire. Alors, notre point de départ, ça doit être que, puisque la solution ne peut être qu'anticapitaliste, toute défaite du mouvement ouvrier, toute défaite des exploités, des opprimés dans leur lutte, nous éloigne d'une solution de la crise écologique. Ce qui ne veut pas dire que toute victoire des exploités nous en rapproche automatiquement, mais elle crée les conditions indispensables de solidarité, de confiance en soi, de conscientisation, que pour permettre de fertiliser les esprits avec la préoccupation écologique. Je crois donc qu'il n'y a pas de raccourci par rapport à cette question. C'est ça qui est un peu désespérant dans la situation. Il y a d'une part une crise énorme, une catastrophe imminente, considérable qui nous menace. On voit en théorie que seule une solution anticapitaliste permettrait d'y faire face, mais les médiations à mettre en œuvre pour que le sujet historique d'une transformation anticapitaliste de la société puisse être à la hauteur du défi, les médiations n'apparaissent pas de façon absolument limpide aujourd'hui, parce que le fossé entre ce qui est nécessaire et le niveau de conscience des populations est un fossé qui est énorme, très large et extrêmement profond. Il s'agit donc de façon majeure d'essayer de combler le fossé. Je crois qu'il y a deux moyens pour le faire, je terminerai avec ça. Le premier, c'est de mettre en avant des revendications qui font le pont entre la problématique écologique et la question sociale. Ça veut dire quoi faire le pont ? Ça veut dire à la fois apporter une réponse suffisante ou satisfaisante à la problématique écologique et à la fois répondre à des demandes sociales pressantes des exploités et des opprimés. Et quelques exemples, c'est pas très sorcier finalement. Le problème, c'est que les mouvements sociaux s'en emparent, ça c'est le problème. L'idée de transport public, de transport en commun gratuit, de qualité, fréquent, revendication élémentaire, parfaitement réalisable dans le cadre du système capitaliste, est une revendication de ce genre. Elle satisfait un besoin social des populations, le besoin de mobilité, le besoin d'une mobilité de qualité, le besoin de gratuité, et en même temps, elle permet de réduire drastiquement la pollution au CO2 provenant de la circulation automobile. Autre exemple du même genre, la question du logement. Le secteur du logement dans l'Union européenne est responsable, le secteur du bâtiment, plus largement que le logement, pardon, est responsable environ d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est une absurdité, et c'est une absurdité qui peut parfaitement être résolue ou éliminée aujourd'hui. On peut construire des maisons passives et même des maisons positives qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. On peut même transformer l'ensemble des bâtiments existants en habitations passives ou en habitations positives. C'est techniquement tout à fait faisable. Le seul obstacle, c'est l'absence de la demande solvable. La population, dans son immense majorité, n'est pas capable de financer les investissements nécessaires pour la solution de ce problème, pour isoler les maisons, pour transformer les maisons en habitations passives ou en habitations positives. D'où l'idée simple, un service public de l'isolation et de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments qui permet à la fois de résoudre le problème, un problème de revenus, un problème de niveau de vie pour les populations, parce que des maisons passives, il ne faut plus les chauffer, qui permet en même temps de répondre à la problématique majeure du chômage, parce qu'un tel service public devrait employer énormément de personnes pour réaliser tous ces travaux. Ce sont des travaux relativement peu qualifiés, donc avec une formation relativement élémentaire, la main-d'œuvre peut être mise au niveau nécessaire, et ça permet en même temps de résoudre une partie de la question écologique en réduisant radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Je dirais, c'est le seul moyen réaliste de penser que cette problématique
des émissions de gaz à effet de serre puisse être résolue dans le cas particulier du logement. Si vous prenez les chiffres du GIEC, 80 à 95% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 dans les pays capitalistes développés, si vous savez qu'un quart de ces émissions sont dues au secteur du logement, c'est une illusion totale de croire qu'on va réussir à supprimer ces émissions dans ce secteur par des mécanismes de marché. Il suffit de voir à Paris le prix des logements, le prix des loyers que payent les gens. Comment pourraient-ils en plus financer les investissements nécessaires à l'isolation de leur habitation? C'est un non-sens. Donc la question d'un service public en la matière est une question absolument claire. Troisième exemple, et puis je m'arrêterai là-dessus, c'est la question de la gratuité. Je crois qu'il y a vraiment un combat extrêmement important à mener sur la gratuité des ressources naturelles qui répondent aux besoins sociaux de base. Gratuité de l'eau, gratuité de l'énergie, gratuité de la mobilité, gratuité, etc., jusqu'à un certain niveau correspondant aux besoins sociaux à déterminer démocratiquement, avec une tarification rapidement progressive au-delà de ce niveau minimum et un plafonnement absolu. C'est typiquement le genre de revendication qui peut rencontrer un écho aujourd'hui assez important, parce que c'est une revendication qui répond aux besoins de plus d'égalité sociale, qui est un besoin très fort dans nos sociétés et qui en même temps est une revendication qui peut constituer une partie de la réponse à la problématique, écologique. Bien, donc premier aspect, ce sont les revendications qui font le pont. Et un deuxième aspect, je crois, c'est de faire jouer des dialectiques sociales. Parce qu'il est frappant aujourd'hui que de tous les acteurs sociaux en présence, de tous les mouvements sociaux en présence, c'est le mouvement ouvrier qui est le moins avancé sur la question écologique. Le moins avancé, c'est frappant. C'est lui qui devrait jouer le rôle majeur, et c'est lui qui, au moins au niveau de ses organisations, confédération syndicale internationale, tous ces appareils syndicaux aujourd'hui sont en fait peu ou prou sur la ligne du soutien au capitalisme vert, c'est-à-dire sur le soutien à une relance du système par les investissements dans le secteur écologique. Et il n'y a pas une alternative qui naît à la base dans les luttes ouvrières, dans les luttes syndicales. On le voit aujourd'hui, la question des retraites en France, la question écologique est très, très peu présente, alors que la question qui est en jeu, en fait, c'est bien celle de la réduction ou de l'allongement du temps de travail, qui est une question qui n'est pas sans impact écologique. Et par contre, d'autres secteurs qui sont des secteurs très minoritaires des mouvements sociaux, comme les mouvements paysans, Via Campesina, ou comme les associations de peuples indigènes, notamment en Amérique latine, mais aussi en Asie, sont en pointe aujourd'hui sur les questions écologiques. Pour une raison qui est relativement simple à comprendre pour des marxistes, c'est que ces secteurs sociaux ne sont pas coupés, ces populations ne sont pas coupées de leurs moyens de production. Contrairement aux prolétaires qui sont coupés des moyens de production, y compris la nature, et avant tout la nature, et qui voient les moyens de production appropriés par le capital se dresser face à eux comme des forces hostiles, pour reprendre la formule de Marx, les peuples indigènes et les petits paysans sont propriétaires de leurs moyens de production. Leurs moyens de production, c'est la terre, c'est la nature, et donc il est naturel pour eux, ainsi dire, de s'investir en masse dans le combat pour la défense de l'environnement, et notamment dans le combat pour la défense du climat. Et donc faire jouer les dialectiques sociales entre ces secteurs peut être un des moyens de féconder le mouvement ouvrier avec des préoccupations, des préoccupations écologiques, un des moyens de lui faire acquérir une conscience écologique absolument décisive. Si on n'y arrive pas, ben, on va au-devant de graves catastrophes. Je vous remercie pour votre attention. Désordonné. Tout d'abord, un moment d'autosatisfaction bien modeste. Vous avez remarqué que nous étions quand même une cinquantaine. Je me réjouis avec vous s'il y a lieu actuellement la manifestation, mais je m'élève une fois de plus solennellement, et ce sera hebdomadaire, contre la bunkerisation de la Sorbonne, qui fait que ceux qui y enseignent commencent à se demander si on va permettre aux étudiants d'entrer. C'est une anecdote authentique. Un collègue, la semaine dernière, entre, passe le barrage du filtrage,
peut-être même avec la politesse des vigiles qui sont des travailleurs et qui sont en général fort courtois, s'ils nous reconnaissent, ils nous reconnaissent. Et au bout de 5 minutes, il redescend, voit que les étudiants sont empêchés d'entrer. Et un vigile explique à mon cher collègue et ami, ah oui, aujourd'hui on a la consigne de laisser entrer les professeurs, mais pas les étudiants. Sur quoi le professeur en question a évidemment expliqué qu'il était venu pour faire son cours et un peu partie de son travail. Ça me fait avoir l'air encore plus désordonné pour aborder 2 ou 3 choses qui suivent et que je dois vous imposer. La première, je vous l'impose, mais elle fera plaisir ou elle violentera la modestie de notre invité. On a vraiment eu un des grands moments du séminaire. Quel que soit le nombre de présents, ça sera sauvé pour l'éternité virtuelle et ça sera mis en ligne dans 3 semaines, on va dire, environ, puisqu'on fait du cousu main et on bricole tout avec l'aide de Mathieu Auro. Mais vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, qu'il y a 5 années d'archives de ce séminaire qui sont désormais en ligne et que donc, avec sa permission, ce qu'a dit Daniel Tanureau sera visible par un petit 2 fois 1000 personnes. Là, on a des 1700 visites sur le site pour voir tel ou tel de nos invités. Donc merci. On est une équipe et c'est quelqu'un qui avait lu votre livre l'an dernier qui m'a dit c'est passionnant. Enfin, on lui a 7 ou 8 mois, c'est passionnant, il faut qu'il soit là. Et je vous le répète, on a trouvé ça passionnant. Il y a Serpa dans l'Alentejo au Portugal, ou un petit comité qui ne se prend pas pour une nouvelle internationale, mais enfin qui avait un peu cet esprit-là, a lancé un appel SERPA, peu importe, vous le regarderez ou pas, dans cette...